Les génériques de Claire Denis sont des fontaines de jouvence. Passant son enfance en Afrique et se formant auprès de cinéastes tels que Costa Gavras, Wenders ou Jarmusch, Claire Denis semble sans cesse se réinventer, se renouveler, comme si ses films étaient des bains de jouvence, des retours aux sources, comme ici avec son premier long métrage, Chocolat, en 88, tourné au Cameroun. La plupart de ses génériques garderont cette qualité originelle et pour ainsi dire amniotique, protoplasmique, sans cesse en formation, sur le point de devenir. Qu'il démarre sous la pluie, dans Les Salauds en 2013, ou qu'il naisse dans la fumée, au début de White Material en 2008. Ils nous disent, comme jadis Ingres, que tout a une forme, même la fumée, même l'informe. Connu pour ses musiques, le cinéma de Claire Denis comporte aussi des génériques silencieux, comme le titre Enfante et Entre deux états dans Un beau soleil intérieur en 2017, dans Beau travail en 99, sans oublier les deux premières minutes muettes de son portrait de Jacques Rivette en 90. Chez la cinéaste, l'art des génériques, comme le monde sonore de manière générale, est un univers dans lequel on peut se perdre. Il y a de la place pour la pensée, comme un lieu magique et d'ouverture. Ça émet des silences, des respirations, des hésitations. Pour Claire Denis et avant elle Marina Tsvetaeva, la poésie est le premier millimètre d'air au-dessus de la terre. Et le générique en est peut-être l'instrument de mesure. Poésie street art du générique dans le court-métrage Keep It For Yourself en 91. Poésie des visages dans Man No Run en 89, un de ses tout premiers documentaires. Ballon de foot, chanteur, était brûlé. Poésie des couleurs et de la diversité, comme en 2007 dans 35 Roms, rappelant les cartons pluriels chez McLaren ou Godard. Au début de Beau travail, c'est aussi la couleur qui est à l'honneur. Si toute vie va inévitablement vers sa fin, nous devons, durant la nôtre, la colorier avec nos couleurs d'amour et d'espoir, disait Marc Chagall. Quand la couleur est bonne, la forme est juste. La couleur est tout. La couleur est vibration, comme la musique. Tout est vibration. En cultivant la réconciliation entre hommes et femmes, blancs et noirs, plutôt qu'en haïssant l'autre, l'inconnu ou l'étranger, Claire Denis célèbre une seule communauté, celle des êtres vivants. À l'instar de l'art des génériques, voyager c'est triompher, rappelait Walter Benjamin. C'est se débarrasser des passions enracinées qui sont attachées à notre environnement habituel et avoir ainsi une chance d'en cultiver de nouvelles, ce qui est tout de même bien une espèce de métamorphose. Ici, le générique d'ouverture de 35 Roms. Philosophie chérie par Claire Denis, Jean-Luc Nancy distingue la satisfaction, fermée, du désir, ouvert. Or, c'est ce qui différencie aussi souvent, en film, le générique de clôture du générique d'ouverture. Réplétion après la séduction, abaissement de la tension après l'intensité, contentement après la contention. La définition par Nancy du plaisir esthétique est d'ailleurs assez proche de tout début de film. Disponibilité à une chance, un bonheur, une joie. Plaisir de se rendre disponible pour cette chance. Plaisir d'un certain abandon à la grâce. On ne compte plus les dédicaces, épigraphes et remerciements dans les génériques de Claire Denis, en particulier à la fin de Chocolat, mais aussi de J'ai pas sommeil, Trouble Every Day, Vendredi soir, ou encore Les Salauds. La sculptrice Charlotte Bale, créatrice de génériques pour Olivier Assayas, fabrique ceux de Claire Denis depuis une quinzaine d'années, comme ici à la fin des Salauds, où les noms restent de manière indélébile, comme la marque d'un trauma. Claire aime voir apparaître tous les noms, nous confie ainsi la plasticienne. Tous ensemble, à égalité, quand cela est possible avec les contrats de certaines vedettes. La cinéaste reprend ainsi un peu à son compte le credo de Lautréamont. La poésie doit être faite par tous, non par un. À ce titre, le générique final de 8 minutes dans Un beau soleil intérieur vient caresser le visage de deux stars et confère à ce face-à-face une énergie teintée d'ironie qui n'aurait pas été la même sans l'inscription du générique à l'écran.
ou tombe amoureuse. Mmh. Bon, d'accord, mais après, qu'est-ce que j'en fais? Alors c'est bien beau, mais d'accord, mais je ne tiens pas à être utilisé. Je ne suis pas non plus uniquement un individu, vous comprenez, qui sert de béquille ou de canne à faire passer les gens d'une rive à une autre. Le générique de fin de High Life en 2018 rejoue aussi un peu l'apesanteur des personnages et du film. Les colonnes semblent s'échapper ici, dans des gravités contraires et assez inédites. La cinéaste rejoint les audaces de Germaine Dulac qui, en 1919, écrivait « Le temps est venu d'écouter en silence notre chant, de chercher à exprimer notre vision personnelle, de définir notre sensibilité, de tracer notre propre voie, ne plus copier, créer. Celui ou celle de nous qui aura vraiment une pensée valant d'être dite, l'exprimera au cinéma. » Si pour certains rêver c'est associer des images et danser c'est associer des gestes, les génériques chez Claire Denis combinent de multiples dimensions, espace et corps. Avec ce générique de fin de Beau Travail, traversé par la chanson de Corona et la magie élastique de Denis Lavant, on assiste presque à un appel à danser, un appel à la levée des corps, dirait Mathieu Pott-Bonneville, comme une insurrection contre la manière dont l'ordinaire des images nous fait tenir assis. Danse entrecoupée ici par un carton collectif nominatif, car celui qui n'a pas de nom n'existe pas, écrit Nicole Lapierre. Il est voué au néant, c'est pourquoi l'univers concentrationnaire et autres institutions totalitaires ne tolèrent que des numéros. Mais s'il ne fallait frissonner que pour un générique de Claire Denis. Après l'image d'un couple qui s'embrasse dans la pénombre, Trouble Every Day en 2001, démarre dans l'obscurité, sur une musique tendre des Tindersticks. Claire Denis nous prépare tout doucement à un film romantique, dans les ondulations de la Seine, blotti tout contre les ponts de Paris. La cinéaste élève ses débuts de film en art de la patience et nous permet d'être à l'affût. Le public n'est pas un intrus ici, mais introduit progressivement dans les méandres du récit à venir. Les amorces chez Claire Denis sculptent, auscultent, prennent et donnent le pouls patiemment. Ils permettent d'imprimer une expression et d'exprimer une impression, pour reprendre une formule godardienne. Cette ouverture sans mots, quasi impressionniste, s'offre en miroir, en méditation, en entrelacs, et nous enlace dans la chaleur de lumière rougeoyante, presque amoureuse. Titre, nom et mention émergent de cette coulée sanguine inaugurale, en conservant un trouble en leur sein, comme une histoire d'eau qui viendrait réunir en un tout violacé des figures fugitives et lacérées une à une. Pour Claire Denis, l'envie de cinéma va au-delà du cadre, vers le sens. Ça doit être un désir de relation avec les autres, affirme-t-elle. Pour la cinéaste, le cinéma n'est pas un médicament pour calmer les gens, mais est donné pour ouvrir l'horizon, ouvrir la réflexion. Bref, l'art des génériques chez Claire Denis, comme bain sensible et sensuel, célébration des sens. If frar, if frickin, if poor, if puffy, if print poor, for arms, if legs, if... If print poor, printer, print poor, and breakfast, breakfast... And breakfast and par, if frickin' par, bro, is sing, kang, a ding, a ha, heck, a da da. Ooh, yes, oh. Alice and Venus, prayer, and fire, opening a boy, running down. It's good, and rah, 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 rah.